Franchement, j'adore. Quand un tueur campe, quand il reste en face de vous, quand il hume l'odeur de votre parfum, alors que vous videz votre sang sur un crochet, c'est l'un de mes trucs préférés sur Dead by Daylight. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà psychologiquement vous préparer au plan de la trappe. Si c'est un truc que vous craignez, la camp, eh bien, munissez-vous de la perque parentée qui vous permet de donner un signal aux autres survivants du positionnement les uns par rapport aux autres ou tout simplement la position du tueur à côté de vous aux yeux des autres survivants. Ça aide pas mal et ça vous aide vous aussi si vous êtes dans le cas inverse où ce n'est pas vous qui êtes accroché. En train de suivre, hein? Ok, bah, on va pas rester à côté. On sort bonne année, tous 20 mois déjà que le temps passe vite. Ouais, absolument. On va pas rester à côté là, regardez-moi. On va aller réparer des motards là-bas. Il est en train d'en suivre. Il est en train de rendre fou tout le monde. Il consiste à pointer du doigt l'équipier. Mais c'est pas une perque. Hein. Non, franchement, ça serait trop bien. Une perque avec. Genre. Totalement. Oh, il y a déjà quelqu'un qui est tombé. J'espère qu'il y a un moteur qui va être fait dans quelques secondes. Franchement. Il y en a que deux qui ont été rendus fous. Donc il y en a un qui probablement est. Oh mon dieu, oh non. Oh non. Ah le camp. Oh. Et bonne année bien sûr. Ah voilà. Oh mais non. Oh non. Mais le docteur. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais lol. Mais le docteur. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais. Et bonne année. Et bonne année! Et bonne année! Et bonne année! Mais non, mais! Non, mais. Mec! J'espère qu'il va résister, j'espère qu'il va pas abandonner. J'espère qu'on va lui mettre la pâtée. Non, mais n'y allez pas! N'y allez pas! Ok, c'est bon. Ah, voilà. Très bien. Oh non! Oh non! Mais regardez! Oh là là! Oui, oui. Oh là là! Tout est tellement triste dans cette game. Oh non! Bah non, c'est. Mais le mec il campe! Ça sert à rien! Ça sert à rien. Il va camper le deuxième. Et le truc super beau. Ce qu'il faudrait à la toute fin, c'est que il est chill. Mais mec! C'est-à-dire qu'il continue de lâcher des arcs électriques et il va camper le dernier! Il y en a qui est foutu! Merci Yona. Merci beaucoup. Ah. Je m'éloigne. Hein. Regardez! Regardez! Mais regardez! Mais non! Finis! Fais un moteur! Fais un moteur! Franchement, fais un. Non, parce que si je fais un moteur là-bas... Ah mais regardez, mais il monte sur la colline! Ouais, ouais, ouais. J'espère qu'il a bro... Mais non, mais même pas. J'espère que lui, la DS, qu'il le fasse balader un peu. DS, allez, s'il te plaît. Des perks pour réparer plus vite. Quoi? Et il y va pas? Non, il y va même pas. Il sait exactement où il est. Bon, par contre, on a perdu du temps parce qu'il est passé en P2. Mais aide-les. Mais je peux pas les aider. Ils campent. Ça sert à rien. Ça sert à rien de les aider. Le mec, il est sur une colline. Il est sur une colline.
il est totalement sur une colline. Et regardez, mais regardez, c'est la version trauma de Juliette. Oh Juliette, Juliette. Mais regardez, mais... Ah, il m'a vu. Et il va vers moi. Donc il est devenu foufou fifou. Il va le poursuivre. Juliette, je t'aime, je pense à toi, hein, Juliette, je t'aime. Eh, tiens, mon. Tiens, ah, Ahmed. Ouais, si je tombe, je suis mort. C'est un enfer! Oh là là! Vas-y, crash! J'espère qu'il va pas ouvrir mon placard. Sinon, je suis mort. Il retourne vers l'autre. Comment je fais? Faut que j'aille en face. Tente pas les 4%. Faut que je vérifie, faut que je cherche la trappe. Ah, c'est super chaud, franchement. Sois pas. Ah, il est pas à côté. Il me cherche moi. Ok. Voici ma réussite critique. Si je vais le libérer. Ah, ici où je suis. Ok. Allez, salut.